Bonjour tout le monde, ici PikaPofQC pour notre épisode de Super Mario Bros. Wonder. Donc on s'en va faire le niveau... On continue en faisant le niveau Recherche collective, énigme du vide. Ça va être off. J'ai pas tout le monde, mais là il faut que je pense à vraiment toutes les possibilités. Donc il faut trouver tous les jetons prodiges cachés dans la place, si tu as des difficultés, demande à un ami de t'aider. Hey. Gang de coquins. Toujours plus haut. Celui-là est quand même pas trop rough. Faut juste comme... Attends. Il m'en manque une. Il manque quelque chose là. Aha! Oh oh! Hihi! Ok, l'autre devrait pas être loin d'après moi. Non! Moi, il est en hauteur ici, quelque part. Je sais pas c'est quoi ça représente le troisième monde, est-ce que c'est un monde aquatique, sais-tu? Je sais pas. Mais d'après moi, il doit être ça quelque part. Il manque une pièce. Où est-ce qu'elle pourrait être? Sérieusement. Hey, ça doit pas être sorcier de trouver le dernier là, j'ai clairement pas eu l'idée à trouver le reste. On dirait qu'il est en l'eau à quelque part. Ah ah! Ok. I did it! Yeah! On a une graine! Prodige! Le prodigieuse graine! Lui était moins rough que le premier. Le premier était plus rough parce que le premier, je l'avais pas fait le premier essai. J'avais gossé pendant des heures. Mais celui-là, quand même, il était pas pire. Énigme du vide. On va juste checker si on a tout. Ouais, on a tout. À date, ce monde-là, je sais pas qu'est-ce que c'est supposé représenter, des chutes.
D'après moi, c'est un monde de chute. Donc, il va y avoir un petit peu d'éléments d'eau dans ce monde-là. Mais à date, on a juste fait un gros niveau. Fait que je pourrais pas dire. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir été tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine!